Je suis maman de Tidiane, d'où le nom de l'association Yayou Tidiane, Aide et Action en faveur des enfants malades. Donc c'est une association qui s'occupe des enfants malades, plus précisément des enfants qui ont des maladies qui nécessitent de longues périodes d'hospitalisation. On intervient au niveau des familles qui ont des enfants en situation de handicap, ou bien des enfants qui sont tout le temps à l'hôpital, qui sont très alités, qui n'ont pas les moyens d'assurer leur traitement déjà, et surtout d'assurer les transports lorsque l'enfant a une maladie qui fait qu'il est tout le temps à l'hôpital. Un parent qui quitte Poudre, qui quitte Thiès pour amener l'enfant chaque semaine à Dantec pour des séances de chimio ou bien d'autres soins. Quelquefois, nous avons des sollicitations pour des interventions chirurgicales. Et nous travaillons avec les assistantes sociales qui se trouvent au niveau des hôpitaux. Nous lançons un programme de distribution de bobo pour les mamans qui sont au niveau de l'hôpital. Déjà à Dantec, en pédiatrie et en chirurgie pédiatrique. Donc nous envisageons de donner tous les jours 150 sachets de contenant le nécessaire pour que les mamans puissent bien s'alimenter pendant le ramadan. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, mais c'est pour nous une solidarité qui leur réconforte par rapport à leur séjour en milieu hospitalier. Nous lançons un appel à la solidarité en ce mois béni de ramadan. Vos dons vont permettre de soulager des parents qui viennent de loin et qui ont des difficultés à assurer la rupture du jeûne.